Heureusement que je suis arrivé avant la pluie. Ouais. Max est dans son bureau. Ah bien, j'y vais. Jake! Le foin est là. Tu peux le mettre à l'intérieur? Ouais, ouais. Il n'y a pas le feu au lac. Jake, bouge-toi! J'adorerais monter sans cesse. Pourquoi tu ne l'as jamais fait avant? Ça n'était pas utile. Au moins, raconte-nous où tu as appris. Dans plusieurs endroits. Comment? Peut-être par correspondance. Écoutez, j'ai abandonné l'équitation à mon arrivée au Pin Creux. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Mais pourquoi il a arrêté? Personne ne le sait. Mais on va peut-être le découvrir. Comment? Il a commencé à travailler ici il y a 2 ans. On n'a qu'à enquêter. Cette chanson est magnifique. Est-ce que c'est toi qui l'as écrite? Ouais. Les filles, ça vous brancherait de venir écouter mon groupe? Je vous donnerai des billets. Génial! Qu'est-ce que tu fais? Je fais une pause. T'es déjà fatigué? C'est pas si facile que ça, tu sais. Jake, le foin doit être mis à l'intérieur. Ah, écoute, arrête de me prendre la tête. Si on fait ça tous les deux, on ira vite. Il faut que j'aille avec Max chercher un cheval à Bridgetown. Dépêche-toi. Bon, bah vaut mieux que je me grouille avant que ça se gâte. Salut. Qu'est-ce que vous faites là? Je cherche Max. Ah, d'accord, oui. Alors, est-ce qu'il est quelque part? Qui? Est-ce que ça va? Oui, écoutez, à vrai dire, je me fais un peu de soucis pour vous. Et pourquoi ça? Bah, il y a mieux que tous ces chevaux et toute cette paille. Aller voir le monde merveilleux qui existe dehors. Il y a la musique et les bons copains. Je connais tout ça, je viens juste d'en partir. J'adore la vie à la campagne. Ouais, mais vous êtes trop jeune. Et à votre âge, il faut sortir et rigoler. Oh, il y a pire, tu sais. Ce n'est pas un couvent. J'en ai assez de ce pantalon. Je te comprends. Ça fait au moins la 5e fois que tu le portes. On m'en parle pas. J'aimerais aller m'en acheter un. Tu viens avec moi? Vas-y sans moi, j'ai un truc important à faire. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Il faut que je donne un truc à Jake. Les plus grandes chansons d'amour? Tu plaisantes?
Je pensais que son groupe aurait pu s'inspirer d'une de ses chansons. Dans une cinquantaine d'années, peut-être. Toi, alors, tu n'es vraiment pas romantique. Me disais que nous deux, on pourrait peut-être... Jake a l'air de l'être, par contre. Non, c'est vrai, vous êtes mignonne. Allez, dites oui, je plaisante pas. Sérieusement, vous êtes mignonne. Dites, les filles, j'ai une information sur Bob. Génial. Alors, t'as trouvé quoi? Il y a 2 ans seulement, Bob O'Malley était le plus jeune membre de son club à s'entraîner pour le championnat national. Alors, si je calcule bien, il a 17 ans. Voilà qui explique pourquoi il monte aussi bien. Mais il a failli être un champion. Pourquoi est-ce qu'il a tout arrêté? C'est le seul article sur lui. Je crois que j'ai feuilleté tous les magazines et je n'ai rien trouvé d'autre sur lui. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas si on devrait. Il y a sûrement un moyen pour que Bob réalise à quel point monter à cheval lui manque. Mais il passe la plupart de son temps près des chevaux. Oui, il les fait manger et il s'en occupe. Vous savez ce qu'on dit? Quand on tombe de cheval... Bob, tu peux me rendre un service? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment je dois être à tout prix montée et moi je dois sortir belle? T'as qu'à le monter après. Regarde-le, il sent qu'on le néglige. Et les muscles de Comanche ont tendance à fondre quand il ne fait pas d'effort. Tu sais, tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Stéphanie. Je t'ai vue quand t'as sauté la barrière. Ne me dis pas que tu as détesté être au galop sur son dos. Ah, je n'avais pas le choix. Je connais personne qui monte aussi bien que toi. C'est étrange que t'aies abandonné. Je suis sûre que tu meurs d'envie de refaire de l'équitation. Mais t'as peur de l'admettre. Ne le fais pas pour toi. Fais-le pour Comanche. Bob? Jack, vous êtes là? Jack? Jack? Oh, hey, Max! Ah. Tu peux dire à Bob que je vais en ville pour quelques heures avec Déborah. S'il y a un problème, je suis joignable sur son portable. Oui, patron. Il faut remplacer l'ampoule de la grange à foin et je veux que tu finisses ce que tu as à faire. Mets de la paille fraîche dans chaque box. Oui, chef. Et Jack, garde ta musique pour chez toi. Tu vas finir plus tôt aujourd'hui. Tu devrais être content. Non. Juste quelques coups de brosse et je te laisse tranquille. Hé, hé! Non, mais regarde-toi. D'accord, tu as gagné. Jake! Dis à Max que je pars en balade 1 heure. Je suis sûre que Déborah déteste la musique. De toute façon, je sais que nous sommes faits l'un pour l'autre. C'est une certitude. Il existe un bon moyen d'en être sûr. Lequel? Non, pas ici. Viens avec moi. Oh, il fait une chaleur. Je sais, mais il nous faut de l'intimité. Je peux lire ton avenir dans les cartes. Tu sais faire ça? Oui, c'est facile. J'ai appris à tirer les tarots et je n'étais qu'une enfant. Je ne suis pas sûre de croire à tout ça. Couplé en 3. Alors, est-ce que Jake et moi, on s'aimera toute notre vie? Une seconde, j'arrive pas à lire. Est-ce que tu peux allumer? Elle est grillée. Ah, c'est mieux là. Le chevalier? C'est sûrement Jake. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais regarde, c'est lui tout craché. Oh, mais toi alors, c'est dingue, t'as un œil de lynx.
Tu es seulement jalouse parce que les cartes ont parlé. Les cartes n'ont pas encore parlé. Hé, Véronica ! Ah, mon vrai chevalier est là ! Je préfère être à cheval qu'à pied. Oui, je suis de ton avis, Stéphanie. Merci beaucoup, hein, de me le rappeler. Alors, j'ai eu raison ou pas? Tu vois, quelque part en moi, je m'interdisais de monter. J'ai envie de recommencer. Merci. Regardez, on dirait que ça vient du pin creux. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Appelle les pompiers, t'as qu'à utiliser mon portable. Où est Max? Il n'y a pas assez de pression dans le tuyau. Les chevaux! Je m'en occupe. Les filles, vous restez là. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Sortez! Viens vite! Allez, Delila! Dépêche-toi! Allez, viens! Allez! Faut sortir! Allez, bien, Max! Suis-moi! Carole. Elle est toujours à l'intérieur. Allez, s'il te plaît, avance. Allez, n'aie pas peur. Bon, cette fois-ci, vous restez là. J'arrive pas à la faire bouger. Va sur le côté, essaye de garder Samson près d'elle. Tout va bien. N'aie pas peur. C'est bon, ça va aller. Tu vas t'en sortir, allez, on avance. Allez, viens. Allez, viens, Samson. Ne t'inquiète pas. Allez, je sais que tu peux le faire, c'est bien. Heureusement qu'ils ont pu sortir tous les chevaux. Comment va Delila? Elle a eu de la chance. Sa couverture l'a empêchée d'être brûlée. Elle a reçu un sacré choc, alors occupez-vous bien d'elle. Et si elle refuse de manger, appelez-moi vite. Et Bark? Oh, c'est pas profond. Je vais lui injecter un antibiotique, juste pour empêcher une inflammation. Je crois que les filles méritent la médaille du courage. Qu'est-ce qui a déclenché le feu? Ils sont en train de faire une enquête. Ah ouais, c'est... Vous deux, dans mon bureau. Tout de suite! Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, c'est vrai? Bob? J'étais pas là. Qu'est-ce que tu dis? Je savais pas que vous étiez en ville. Je t'avais dit de lui dire! Mais j'étais pas au courant qu'il était parti! Je te l'ai dit! Quand? Je peux savoir ce que tu trafiquais? Comment j'avais besoin d'exercice? Alors t'es sorti à cheval?
T'as pas changé. Tu as mis des personnes en danger. Les chevaux aussi, et je passe sur le reste de la propriété. J'avais confiance en toi. J'ai été le seul à te donner une seconde chance. Tu m'avais promis de changer, et voilà que tu remets ça. Mais oui, c'est vrai, j'ai changé. Pourquoi vous dites ça? Tu m'as déçu pour de bon cette fois. Tu m'as laissé tomber. C'est inutile de vous énerver comme ça. J'ai compris. Je m'en vais. C'est la première fois que je vois un feu pour de vrai. Ça m'a flanqué une de ces frousses. Je ne sais pas comment le feu a pu démarrer. Tu ne crois pas que c'est à cause de la lampe qu'on a laissé poser sur le foin? Non. Non, j'en suis sûre. Max croit que Bob est responsable. Bob? Pourquoi? J'en sais rien, il a dit un truc à propos de son passé et que c'était sa seconde chance, je crois. De quoi tu parles? Tu n'en sais pas plus? Non, je sais qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Par contre, nous deux, j'en suis beaucoup moins certaine. Si Max découvre qu'une lampe a été laissée là par erreur, on sera banni à jamais du pain creux. Christy, t'as pensé à ça? Mais ils vont croire que Bob est coupable. Il s'en fiche? Il s'en va de toute façon. Oh non. Comment t'as trouvé ça? On est passé au journal avec Déborah pour fouiller dans ses archives. Tu faisais un stage à l'écurie de Greenwood et tu es parti, sans aucune raison. Et par hasard, le club a complètement brûlé ce jour-là. Alors quand Max parlait d'une seconde chance, c'est ce qu'il voulait dire, pas vrai? À l'époque, il a été le seul à le faire. Et je suis pas fière. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Greenwood? Je faisais presque partie de la famille. J'y travaillais, j'y vivais. Je m'entraînais très dur. On faisait beaucoup de compètes. J'allais être sélectionné dans l'équipe nationale. Et j'ai tout fichu en l'air. Mon entraîneur était exaspéré par mon manque de concentration. On s'est disputé. C'était mon boulot de tout vérifier, de m'assurer que tout était OK avant la nuit. Mais je suis parti. Mais tu n'as rien fait alors? Non, c'est du passé. C'était ma responsabilité et j'ai choisi de m'enfuir. Je crois qu'on peut rien y changer. Mais c'était un accident. Pourquoi est-ce que tu t'es enfui? On est arrivé trop tard, des chevaux ont péri. Certains étaient gravement brûlés. On a dû en supprimer deux. Dont le mien. Oh, c'est triste. Jack était le plus incroyable des chevaux. Il y avait quelque chose de spécial entre lui et moi. Il y avait plus que de la confiance entre nous. Il aurait fait n'importe quoi pour moi. Et moi, je n'ai rien fait. Je ne suis qu'un bon à rien. Alors, tu t'en vas? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Je sais que tu n'es pour rien dans l'incendie. Comment vous le savez? Je vois tout ce qui se passe ici, tu sais. Et je vois en toi un garçon d'écurie dévoué, qui préférerait plutôt se faire mal que de faire mal à un cheval. Et tu es consciencieux. Mais votre fils, lui, me pense irresponsable. Et s'il commence à douter de moi? Et qu'il ressasse mes erreurs passées. Je dois partir d'ici. Oh non. Bob? Je pense que je devrais venir avec toi. Quoi? Ben, tu sais, tu m'as obtenu ce job. Et en plus, t'es mon ami. Jake, ça n'a rien à voir avec toi. Tu m'as dit que ça te plaisait ici. Mais merci. «
Jake, qu'est-ce que tu fais là? Maintenant que Bob est parti, tu dois avoir du travail. Ouais, je pensais justement à ça. C'est triste que Bob soit parti. Je culpabilise un peu. Pourquoi? Oh, j'aurais pu l'aider un peu plus, tu sais. Je traînais tout le temps sans rien faire. Je l'écoutais pas. Oui, il a été vraiment sympa avec toi l'autre jour. Quand tu jouais de la musique devant Véronica et Christy, au lieu de mettre le foin à l'intérieur. Ouais, c'était pas malin et je l'ai regretté. Mais le temps de décharger le camion, le foin avait pris la pluie. Ça pesait deux fois plus lourd. Tu n'avais pas rentré le foin avant la pluie? Non. Bah, j'ai dit que j'allais le faire, mais je l'ai pas fait. Jack, le foin peut prendre feu s'il sèche dans un endroit chaud. Pourquoi lui avoir rappelé des choses de son passé? Et pourquoi a-t-il démissionné au moment où j'ai réalisé que c'était la seconde fois qu'il était mêlé à un incendie? Oh Max, tu me surprends, je ne te reconnais pas. Qu'est-ce que tu dis à tes élèves? Tu leur dis qu'ils doivent obtenir le meilleur de leur cheval. Je suppose que c'est encore plus valable pour les humains, c'est de la confiance. Parce que la confiance fait d'un cheval un ami obéissant et dévoué. Il aurait dû être présent, maman. Tu aurais dû écouter sa version de l'histoire. Jake a quelque chose d'important à vous dire. Reviens! Je vous ai réunis parce que j'ai plusieurs choses à vous annoncer. Premièrement, Jack a décidé qu'il quitterait le pain creux. Ce qui est une bonne chose pour le rock'n'roll. Bravo, Jack! Deuxièmement, je voudrais présenter toutes mes excuses à Bob O'Malley. Je ne lui ai pas accordé toute ma confiance. J'aurais dû, et ça, je le regrette. Je lui demande de revenir chez nous. Je sais pas quoi dire. C'est le bon moment pour demander une augmentation et plus de temps libre. Alors, est-ce que mon garçon d'écurie préféré revient? Avec joie. Et pour l'augmentation? Non. Qui ne tente rien à rien. On a qu'à me couper des bûches et on en reparlera.